Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Roblox, c'est parti! Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Loup Chasseur. Le but c'est très simple, c'est comme un Murder Mystery, mais version Moyen-Âge. En gros, on a un petit loup-garou, on a un chasseur avec une petite arbalète, et il y a des civils, et en gros, le but c'est que les civils survivent et que ça ne soit pas mangé par le loup-garou, que le chasseur tue le loup-garou, et que le loup-garou tue tout le monde. Voilà. C'est un truc très simple. Donc là, on est sur la première petite map, on est sur la map manoir. Ok, il y a le chasseur qui est là. Ensuite, il nous faut savoir où est le loup-garou. Parce que j'aimerais pas me faire tuer par le loup-garou, ça serait pas trop mal quand même. Ah, je suis en train de descendre. Vas-y, non. Je suis en train de glisser. Ah, ok, c'est bon. Allez, vas-y, avance. Pour le moment, on n'a toujours pas vu le loup-garou. Hop. On va rester comme ici. Ici, c'est très bien parce que normalement, le loup-garou passe par la porte. Ou on peut passer d'ailleurs par une échelle comme on est passé tout à l'heure. J'espère pas. Ok, il y a déjà une ou deux personnes qui sont déjà mortes là. Très bien. Donc, du coup, on va essayer de voir qui c'est. Je crois que c'est peut-être lui. Ah non, il y en a un autre qui est là. Le premier qui sort ici, c'est le loup-garou. Ok, c'est le mec. Très bien. On sait qui c'est. C'est le mec avec la petite sacoche rouge. Le tueur. Très bien. Et ben nous, on va rester ici. Hein. Toc, quoique. Est-ce qu'on peut se mettre sur la cheminée? Oui. Non, allez, sur la cheminée. Pourquoi tu veux pas aller sur la cheminée, toi? Voilà. Ça, c'est très bien. Je suis camouflé. Oh, le shoot. Game over pour le loup-garou. Bien joué. Bien joué, le petit chasseur. Ok, on a reçu plus une pièce de loup. Il est là. Il est mort ici, le petit loup-garou. Alors, hein, on a voulu tuer des gens, c'est ça? Ok, let's go. C'est parti pour la prochaine game. Prochaine game, les amis. Oh, on est loup-garou, nous. Oh là là, mais pourtant, le pourcentage était faible, mais faible. Et on est le loup-garou. Allez. Alors, qui c'est que je vais bien pouvoir tuer en premier? Ok. Oh là 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 là, le petit massacre là. Ok, hop. Du coup, on va hurler un petit peu, nous. Ouais, il est trop stylé avec ses petits yeux en plus là. Ok, il y en a qui sont en haut. Ok, très bien. J'arrive. Vous allez mourir. Ok, hop. Est-ce qu'il y en a un qui est par là? Ok, il y en a un qui est là. Dedans? Ouais, il est dedans. Parfait. Ah non, il est dehors. Ah, le bâtard. Ok. Du coup. Ok, ils sont tout en haut là. On va passer plutôt par ici. Par dehors directement. Ce sera peut-être plus simple. Ok. Hop, play. Allez, vas-y, cours. Faut trouver une échelle là. Vite une échelle, comme ça on va pouvoir monter nous tranquillement sans se faire tuer, bien évidemment. Ok, hop, on fait vraiment le tour là. Ok, on a trouvé une petite échelle, nous tranquillement. Allez, vas-y, grimpe. Ok, très bien. Oh, il y a le petit chasseur. Allez, yeah, on a tué le chasseur. Alors attendez, ne bougez pas. Ok, les petits sont là. Il y en a là, il y en a un qui est là. Ok, voilà, toi tu meurs, ça c'est bon. Ensuite, hop. Ok, on va faire attention qu'ils ne viennent pas en même temps. Ok, il y en a qui est là, juste ici. Bonjour. Voilà, ça c'est fait, il n'y a plus personne. Ok, il y en a deux autres qui sont là. Toc. Ils sont dehors. Ok, très bien, très bien. Hop. Du coup, ouais, ils sont dehors, mais ils sont pile sur la fenêtre là. Allez, petit fourbe. Bah alors, les petits gars. Hop, et voilà, c'est fini. On les a tous dévorés. J'avais un petit creux, tranquille, là, on les a bouffés et je suis rassasié. Oh là là, incroyable, ils sont tous morts. Plus 11 pièces. Et pas un seul m'a tué, bien évidemment, surtout pas le chasseur. C'est parti pour la troisième game. On espère qu'on va être chasseur en plus là.
Ok, c'est reparti les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va être? Bon, là, on est innocent, mais à donf là. La barre d'innocence, elle est incroyablement longue. Ok, let's go. Donc, notre but là, on va se cacher. Toc, toc, toc. Mais pas trop, parce que, comme vous avez pu le voir à la game précédente, on peut trouver les gens assez facilement quand on crie, hein, bien évidemment. Donc, du coup, où est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Loin d'une personne, en tout cas. Ça va être bien. Toc. Faudrait qu'on trouve une plante, mais ultra cheatée. Par exemple, là. Je sais pas si on va passer par-dessus. Faudrait qu'on trouve un escalier ou une échelle pour nous faire grimper. Ça serait pas trop mal, là. Comme ça, on se met juste là. Ok, il y a un escalier, mais là. Oh, le loup-garou, il est loin de nous, là. On a bien entendu son petit cri. Ok. Du coup, où est-ce qu'on va se mettre, nous? On va pas se mettre dans le placard? On va pas se mettre dans le placard. Très bien. Alors. Non, il y a que des escaliers qui descendent. Moi, je veux monter. Je veux monter. Ok, bon, on va se remettre sur notre petit. Petit balcon qu'on avait vu tout à l'heure là, juste ici. Comme ça, on a toujours un petit moyen de repli. Quoique. Non, je pense pas qu'on puisse passer là. Oh. Ok. Non, c'est pas lui. Non, c'est bon, c'est pas lui. Oh, il m'a fait trop peur. Ah, non, c'est bon, il est encore loin de nous. Ça, c'est bien, tranquille. Ok. Du coup. Est-ce qu'on se mettrait pas sur. Là? Non, pas là. Quand même pas. Non, là c'est bien, parce que au moins si le loup-garou il vient comme ça, là il se promène tranquille ici, au moins on va pouvoir voir bah, qui c'est et l'éviter un maximum. De toute façon, le temps qu'il fasse le tour, je pense que le time aura peut-être été écoulé. Ah oui, en parlant du time, quand vous tuez quelqu'un, en gros ça rajoute plus quelques secondes en plus, je crois que c'est une trentaine de secondes supplémentaires. Hein. Donc c'est pour ça que le temps revient toujours après, il s'ajoute quand il tue quelqu'un ou il. 10 minutes là, si tu personne. Ok, hop. Allez, on n'a plus que 28 secondes à survivre. Ok, hop. On est tous réunis au même endroit. S'il tue quelqu'un, si bah, s'il tue tout le monde là, il ferait un véritable carnage. En plus, le temps que. Vous voyez, 30 secondes supplémentaires et on retourne à 43 secondes. Ok, hop. On surveille bien derrière en fait pour voir s'il ne vient pas. Allez, le time passe plus vite! Ok, il va peut-être passer par là, je crois. Soit il passe là ou soit il passe là. À moi qui peux faire le tour là, je sais pas. Ah, chrono épuisé, donc voilà pourquoi il est mort. Il a tué trois personnes quand même, dont le chasseur. Ah bah ouais, donc s'il a tué le chasseur, on n'aurait pas pu le buter directement. Ok, très bien. Du coup, c'est parti pour la quatrième manche. Ok, c'est parti pour la quatrième manche avec le petit perso de New York. Oh, j'ai failli être le chasseur. Dommage, dommage. Ok. Du coup, là on se met où? On est dans un petit jardin, très bien. Toc toc toc, est-ce qu'on peut passer par là? Non, il n'y a rien par là, je suis en train de faire le tour depuis tout à l'heure. Ok, on va passer dedans. Ah, il y a l'escalier. Ok, vas-y. Fonce dans l'escalier, fonce! Hop là, avec le petit tapis là, tranquille, chill. Toc toc toc. Est-ce que c'est la même map que tout à l'heure? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la même map que tout à l'heure. Ok, il y a un autre petit escalier là. Hop, on va passer par là. On va tout au fond, on va bien voir. Hein. Ok, il n'y a pas d'issue ici. Toujours avoir une issue. Est-ce qu'on peut passer après maintenant? On pourrait passer. Au cas où. Ah! Oh, trouvé. J'ai trouvé un de ces petits trucs là. Hop. Ok. Ah, dommage. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Non. Allez, vas-y. Oui, bien joué! Incroyable. On va se cacher là. Toc. Comme ça, il va même pas pouvoir nous voir. On sent très bien ici. Hop là. Donc avec nous, il y a Ibis. Et puis, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Hein. Ouais, il y a juste Ibis avec nous. Le loup-garou, oui, quand même, loin. Il est là-bas, je crois. Donc en espérant qu'il ne vienne pas vers nous. Franchement, elle est trop bien cachée. Ben, après, il y a juste à passer là, ici, ici. Et puis, he's dead. Ah bah voilà, elle est tombée. Je pense qu'elle va vite mourir. J'ai peut-être un peu plus de chance de survie, moi. Je sais pas. Ah, le chasseur vient de mourir. Très bien. Pas peu rassurant. En plus, il reste 1 minute 12. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Ça va être trop long. Ok. Plus que 60 secondes à peu près. Faut qu'on survive pendant 60 secondes. On va regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Bah, y a rien. En plus, on pourrait même pas passer, nous, hein. Je crois en plus qu'il y a le vide. Ouais, donc si on passe par là, on meurt directement.
Oh là là, mais le temps il se rajoute encore plus, c'est pas possible! Hop. Pour le moment, il est quand même loin de nous, on va pas trop bouger, là on est bien. De toute façon, s'il vient, on se cache juste là. Je suis un carton, tu peux pas me voir. Avec son sourire là. Bonjour. Je suis. Ça se voit à sa tête, il est heureux d'être ici, il est heureux. Il doit plus rester grand monde là. Peut-être qu'il reste peu que nous deux, qui sait? Les deux survivants. Ça serait incroyable. Mais j'ai pas trop envie de bouger, j'ai pas envie d'aller chercher l'arbalète. Imagine que le loup-garou il vient. Donc ça serait pas de bol. Ok, hop. On l'entend, il se rapproche, je crois qu'il se rapproche. Hein. Hop. Ouais, il est pas loin. Il est rentré. Il est rentré. Non! Ok, on se cache en nous. Ah, il y avait encore une autre personne. Très bien. Bon, nickel, on était trois, je pense. Ok, il est là, là. Il est pas très loin, il est juste ici. Ok. Est-ce qu'il va débarquer là? J'espère pas. Nous sommes cachés, tu peux pas nous trouver. Ok. Si je me mets vraiment à fond ici. Ah. Il a défoncé une porte. Les portes! Faut garder les portes! Merde, faut pas les casser! Après, c'est pas toi qui répare, ça se voit, hein. Bon, ça va. Ah. Une autre personne vient de mourir, mais ça rajoute du temps! Oh là là, mais arrêtez de mourir! Nous, on veut survivre! Ok. En fait, il restait pas que deux, il reste encore 4, 5, 6 personnes, peut-être. Ah, il a cassé une fenêtre. Ça se voit que c'est pas lui qui répare, hein. C'est clair, il casse tout. Tout va finir en miettes. Au pire, qu'il détruit le château directement, ce sera plus simple. Ok. Jusque-là, il vient pas. Du coup. Toujours Ibis vivante. Je sais pas s'il vient de par là après ou si on peut venir de par là. Je crois qu'on peut venir de par là, je me rappelle plus. Je crois que nous, on est venu de par là justement. On est venu par là, on a monté l'escalier, après on est redescendu là et puis hop, et on a fait un tour complet. Ok, 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Il reste 3 secondes pour survivre. Allez, Ibis! Attention, Ibis, c'est peut-être pas du tout la meilleure cachette. Game over. Oh, il était loin! Il était loin de nous! Yeah! On a survécu. Du coup, il restait combien de personnes vivantes? Il restait nous, Ibis, il y avait aussi Prime Rose, Helton, Leonardo. Oh là là, mais il restait encore pas mal de monde. Et bah du coup, on a survécu. Bien joué à nous! Beaucoup trop fort. On est juste beaucoup trop fort, c'est tout. On avait les meilleures cachettes. Et donc du coup les amis, c'est ici que nous allons nous quitter. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, au revoir!